Galerie Philippe Gelot dans le quartier du Marais, et précisément dans le carré Saint-Paul. C'est la galerie qui me représente à Paris. Alors c'est intéressant pour le coup, comme on avait vu tout à l'heure, quand je fais des collages dans la rue et tout ça, c'est totalement pour le fun, pour l'adrénaline, pour m'amuser. Et ici, c'est vraiment mes peintures, tout mon travail réfléchi qui se retrouve soit sur des objets, des volumes. Et de temps en temps, j'introduis aussi des petites choses que je fais dans la rue. Par exemple, la toile qui est là, pas la toile, mais du moins le panneau là, hein, qui est un peu en bas. Il y a des collages que j'ai fait dans la rue, que j'ai mis sur panneaux de signalisation. Sur certaines toiles, il y a des stickers qui ont été récupérés à New York quand on est exposé. Il y a aussi, par exemple, ici une sculpture avec des choses qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, hein, des bouchons, des choses comme ça, mais que j'ai aussi utilisé pour coller parfois dans la rue. Et il y a aussi de la vraie peinture, pure et dure, réfléchie. Alors dans des musées, c'est arrivé deux fois, mais c'était dans le cadre d'expos collectives où il y avait une thématique, notamment autour du graffiti, là, pur et dur. Hein. Et dans les galeries, oui, très régulièrement. Ici, j'ai fait une expo sur le thème de l'olympisme quand il y avait les Jeux Olympiques. Mais sinon, c'est une galerie où mes œuvres sont exposées en permanence. Donc, en fait, il y a un endroit à Paris où on peut trouver mon travail en permanence, c'est ici. Et selon des thématiques, j'expose dans plusieurs villes et avec Philippe. Donc, on a exposé l'année dernière à New York au mois d'octobre. Et durant ce périple, c'est là où j'ai récupéré des choses et qui ont servi à une série de toiles qu'on trouve uniquement ici, qui s'appelle « From Paris to New York ». Quand on est dans la rue, hein, donc il y a plusieurs paramètres. Il y a l'endroit, le temps qu'il fait, les gens qui vont passer, le spot qu'on a envie de mettre en valeur. Donc là, on est dans une démarche qui est très différente de ce qu'on va retrouver en galerie ou au musée. Ce qu'on va retrouver en fait dans ce passage, c'est le côté dynamique, le côté brut, parfois même le côté instantané. Mais dire que le street art rentre en galerie ou dans la rue, c'est à mon avis une petite erreur. C'est plutôt, j'allais dire, le street art en général, parce que je mets le graffiti dedans, hein, tout ce qui correspond aux cultures urbaines, aux arts urbains, sont devenus d'une certaine manière une certaine norme. On le retrouve dans le cinéma, la danse, au théâtre, et aussi maintenant dans la peinture en galerie. Alors qu'avant, c'était que de la peinture murale ou de la peinture sauvage, entre guillemets, dans le métro ou dans les terrains vagues. Donc la transition, elle est plutôt là. C'est que c'est quelque chose qui s'est développé et qui s'est, généralisé et qui plaît de plus en plus à des gens qui sont assez loin de ça au départ. Partout, oui. Oui, j'ai collé partout. Alors en France, dans plein de villes, même dans des villages, j'ai collé. On ne peut pas imaginer là où j'ai collé. Hein. J'ai collé dans des fermes où finalement mon seul public sera des vaches et le paysan qui s'occupe de ses vaches. Et j'ai collé en même temps à Brooklyn, j'ai collé à Rabat, j'ai collé... partout, en Belgique, à Bruxelles, j'ai collé dans plein d'endroits. À Genève, j'ai collé dans le quartier des banques où il y a, je crois, 10 caméras au mètre carré. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui va se retrouver dans la force et l'intensité de mes œuvres. Par exemple, là, il y a un peu l'ambiance graffiti, mais il y a aussi de la force hein, qu'on retrouve. Parce que moi, je suis ce côté instantané important, même si c'est réfléchi. Hein. Et donc là, c'est vrai que le fait de coller partout, c'est un rapport aussi à un univers urbain différent. Oui, ça c'est une certitude.
Mais en fait, c'est une demande du public. Hein, si les institutions ont bougé, c'est parce que les gens sont intéressés par ça, et aussi certaines personnes dans ces institutions. Il y a des maires qui sont demandeurs parce qu'ils aiment ça aussi. Hein. Il ne faut pas oublier, hein, les élus sont aussi parfois des personnes qui apprécient hein, ce genre d'œuvre. La preuve en est que dans certaines de mes expos, il y a des maires ou des gens qui sont venus et qui étaient amateurs et qui étaient même collectionneurs. Hein. Je ne peux pas dire les noms parce ils veulent rester assez discrets là-dessus, mais il y en a. Après, est-ce qu'il y a une volonté de mettre ça en avant? Oui, parce que c'est j'allais dire, la grande tendance artistique du moment, mais qui s'installe sur la durée. Donc on n'est pas dans un phénomène de mode, on est sur une tendance lourde. Donc c'est normal que on ait l'impression qu'il y ait plus d'événements, c'est parce qu'on en parle de plus en plus. Et surtout, avant, il y en avait autant, mais il y avait moins de moyens. Et c'était moins mis en valeur, alors que maintenant il y a autant d'événements, mais il y a plus de moyens, et il y a plus de public, et c'est mieux mis en valeur. Identique, oui et non. Oui, parfois, par exemple, ici il y a un objet, quoi, il y a une œuvre avec un paquet de cigarettes. Que j'ai pris par terre, je l'ai trouvé par terre à New York. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une tête d'Indien dessus. Et il s'inscrit dans une de mes séries qui s'appelle Indians Never Die. Donc, je l'ai customisé. Et ça, c'est le genre d'objet unique et qui plaît beaucoup, par exemple, aux Anglo-Saxons. Mes pièces précédentes sont toutes parties en Angleterre, à Londres. Hein, après, je suis à la fois tributaire de la bande dessinée, du street art, du graffiti, de la calligraphie, mais aussi de la figuration narrative, de la figuration libre. Et en cela, je suis dans une continuation, en fait. Il n'y a pas de rupture. Je suis inspiré par tous ces mouvements, par toutes ces manières d'écrire sur la toile, de raconter une histoire sur la toile, de transformer le blanc de la toile en quelque chose qui parle aux gens. Et c'est vrai que la figuration libre et narrative sont deux éléments qui me plaisent énormément et qui m'ont toujours intrigué, parce qu'eux-mêmes s'influençaient de la bande dessinée. Et moi-même, je fais de la bande dessinée. Donc, finalement, on est dans quelque chose, qui s'auto-alimente et qui m'alimente, quoi. C'est ça qui est intéressant.